Bonsoir, bien à vous, ici Alex Vic pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 16, on se retrouve pour la FFL. Donc après avoir perdu, ça te fait défoncer l'anus par les Bucks le week dernier, première défaite de la saison, voilà, j'ai joué le pire match, un des pires matchs de toute ma vie. Je me suis remis en question, je ne pouvais pas laisser mon niveau descendre aussi bas. Je ne pouvais pas vous montrer un tel niveau sur Madden, je ne pouvais pas vous laisser tomber. C'est pour ça que j'ai décidé de finir le playbook ultime, voilà, afin de l'utiliser et enfin vous le sortir. Donc voilà, le playbook offensif qui arrivera bientôt, suivi du playbook défensif. Voilà, donc on va l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Donc je viens de le finir, donc il est pas, je l'ai pas encore non plus ultra bien appris mon playbook, mais ça va aller. Puis on va essayer de rise up, ça veut dire on va essayer de revenir au sommet et de retrouver le goût de la victoire contre WC. Ce n'est pas le faux WC, c'est le vrai WC selon son pseudo PSN, et on va essayer de faire le taf parce que, alors clairement le dernier match contre, il y a deux matchs contre les Titans là, c'était pas terrible. Là on fait un match contre les Bucks mais catastrophique. D'ailleurs j'ai pas pu me filmer et encore heureux. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'ai joué vraiment comme une grosse daube. Donc on commencera avec la balle, c'est parti. Pour ce week contre WC, on a l'habitude de jouer chaque saison avec WC, soit en saison régulière, soit en playoff. Donc bonne chance à lui et j'espère une nouvelle fois un bon match contre lui. On a l'habitude de faire des gros matchs avec WC, Devin Hester qui fait un bon retour. C'est bien ça, c'est bien. Ça pue la merde ça, ce qu'il me propose. Et on va prendre le sac, un match qui commence une nouvelle fois très bien. Je pue la merde. Mais c'est pas possible. La O-line vous faites quoi? Tu sais, les mecs, ils sont là, ils se branlent, en fait. Ils se branlent, vraiment. C'est pas possible. Là, je prends deux sacs éclairs en quelques jeux. C'est juste infâme. Ah, bah, une screen dès le début sur... Oh, non! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Voilà! Merci... Oh, face masque. Et on l'a dans l'anus, voilà, la petite queue, la petite nénelle, ça fait plaisir. Que ce soit sur les jeux de course ou sur les jeux de passe, alors sur les jeux de passe il n'y a pas de pression, sur les jeux de course il n'y a pas de block shed, du coup ça passe tout le temps au moins le premier rideau, après c'est au linebacker de faire le taf. Bon, ça va, on a Brooks Reed cette année qui a quand même du block shed et qui peut souvent faire le plaquage, qui peut nous sauver, on va dire, allez Ricardo. Non, bon, non, les gars. Eh, putain, il y a 3 mecs dans la zone, c'est fait exprès parce que je sais qu'il va jouer une Seattle. Et les mecs, en fait, sont pas fichus de... Alors moi, j'ai joué dans ce cas-là à jouer le petit tracé qui coupe le terrain, ce que j'ai fait. Après, là, normalement, ils sont censés couvrir. Voilà, donc un peu d'aigle. Clairement, hein, un peu d'aigle là-dessus. Oh, les gars, come on, prenez vos zones. Tout ce que je vous demande. Je joue comme les Falcons cette saison. J'aime bien pénaliser, moi, ça rajoute un peu de... Je suis trop lent sur ma couverture. Là, c'est de ma faute. Alors, en plus, Southward a bien couvert. Bon, Vernon Davis, il pue la merde, normalement, cette année. Hein. Mais bon, c'était en début d'année. Donc, voilà, il a des bonnes stats dans le jeu. Donc, il est bon. Malheureusement pour nous, il est bon. Et là, pour l'instant, il nous met un peu la quéquette, quoi. Mais on peut compter sur... Big William Moore pour faire le plaquage. Et on va jouer avec William Moore ce match. Je le sens bien. Ça court à droite, je suis baisé. Ça court à droite, ok. Ça court à gauche. Donc là normalement je suis censé le stopper, mais on va se prendre un pancake. Et bon, 2 break tackle pour le TD. Merci cette défense de merde. Je suis deg. Je suis trop deg. Ah, par contre ça c'est pas hyper ouf ce que j'ai fait. Allez Roddy. Allez Roddy. Le vétéran trouvé au milieu du terrain, je crois que c'était une cover 2 là-dessus, si je dis pas de conneries, on va voir ça à la fin de l'action. Good job, bonne lecture, playbook d'essence, let's go. Voilà, big play en une action, là, et voilà, il a fallu qu'on chauffe un peu. Bon, j'aurais préféré faire ça dès le premier drive, c'était, voilà, une sorte de cover 2, donc bonne lecture de ma part. Oh, encore une screen, et ça, je l'ai pas mal couvert, parce que là, j'aurais pu me prendre vraiment un gros gain, voire un TD. Et en fait j'ai bien pris l'exter pour qu'il puisse revenir inter. Comme ça on limite la casse. Oh, on s'est fait. Allez, s'il te plaît, merci Truffent. Oh non, ça court externe. Oui, oui, good job. Très bien joué de la part d'Alford, qui a parfaitement pris l'extérieur là-dessus, qui empêche cette course. Il me faut le stopper là-dessus. Non, non, no way. Mais c'est quoi ce catch? Ils sont trois dessus, putain. Bon, elle est lancée précise par Kaepernick, malheureusement, et c'est Simpson qui catch cette balle à une main au-dessus de tout le monde. Oui. Merci Roddy. Oh putain, Roddy, il est là. Roddy, il est là. Le face catch, parfait. De la part de Roddy White, ça fait plaisir. Oui Roddy. Oui Roddy. Cover 3 en face. Yes, nice. C'est ce que je pensais. Voilà. Good job Freeman. La fake fullback. Vous savez que je l'aime celle-là. Vous savez que je l'aime celle-là en red zone. Elle marche très bien. Donc la feinte sur le fullback au milieu pour partir extérieur. Alors généralement c'est... Franchement, faites pas comme moi, c'est beaucoup plus efficace de faire un fullback dive et de courir avec son fullback. C'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez des couilles et que vous trouvez ça un peu plus stylé de faire du jeu feinté et tout, vous pouvez aussi la faire. Donc c'est la fake fullback running back sweep. Si je dis pas de conneries, ça s'appelle comme ça. Et elle se trouve dans tous les playbooks, généralement en formation high form. Donc voilà, petit guide, on va dire, supplémentaire pour vous lors de ce match. Ok, ça passe, c'est de la passe. User pick. Enfin le user pick de Paul Worrilow. Good job. On va récupérer le cuir sur, en bonne position en plus. Sur les 38 yards des Niners. Ok, ça a l'air d'être du blitz. Je sais pas sur qui jouer. Bon, on va courir. On va courir. Grosse couverture. Par WC. Oh, oh c'était tendu, je l'ai pas vu venir l'autre de la gauche là. Et Hank qui me sort ce catch. Ah ouais non mais c'est blitz, c'est n'importe quoi. Ça croque même pas au play action. Je suis deg. Ah ces blitz ils sont chauds là, ça. Ah ça me défonce dans tous les sens. C'est un truc de ouf. Ok. Hop. 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 What? What? Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Genre je me fais saquer à tout va sur ce match. C'est dinguerie quoi. C'est blitzkrieg le mec. Ah ouais là c'est chaud. Ah c'est chaud ce que je prends au niveau du pass rush là. Ah Worrilow, tu pouvais avoir ton deuxième pick du match. Ah il était sorti de nulle part là. C'était fait exprès en plus sur cette formation. C'est une sorte de petit jeu feinté. Oh, sur la screen pass. Wow. Ah putain, let's go. En tout cas, bien joué de la part d'Alford. Très bien réagi, mon petit gars. Alors, on va essayer d'utiliser Bisley pour un petit blitz. Ça joue de la course et c'est très bien stoppé. On va prendre le temps mort. C'est ça, les gars. Allez, on continue. On continue, on continue. Allez, Rulio qui prend enfin un catch. Ça faisait un moment qu'il avait rien catché. Ouh! Ouh, Rulio, relève-toi! Relève-toi, mon ami, oui! Ok, il nous restera un temps mort. J'en ai utilisé un là, c'est pour pouvoir changer de formation. Tu l'as, on. What? Il a les pieds dedans. Il a mis ses doigts de pied. L'ongle. Ah, je suis pas sûr que... Je pense qu'il l'a peut-être eu. Il va peut-être y avoir un... Oui. Rolling on the field is over... What? Il y avait marqué overturn... Putain. Overturned. Donc normalement, c'est qu'elle est catchée. C'est n'importe quoi. Moi je comprends pas. Ok, j'ai pas trop compris. Je mets trop de temps à jouer, je mets trop de temps à jouer. Ok, bon. On est saqué là-dessus. Ah putain, il a dû s'en douter. Il a dû s'en douter, le bougre. Bon, on scorera pas avant la mi-temps, malheureusement. Bien joué, WC, bonne défense. Ouais, j'aurais dû tenter la fade, sur Rulio. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent. Ok, bien joué William Moore, mais on prend beaucoup trop de yards là-dessus, on aurait dû en prendre beaucoup moins. Ouh, Kaepernick, oula. Je commence à sortir des trucs de ouf comme ça, là. What? Voilà, alors ce qui lui manque à Roddy, c'est un peu de vitesse, malheureusement. Voilà. Merci Hank. Ah! Oh non, je suis gêné, passe interférence. Dans le jeu, pourquoi? Je ne sais pas, chaque année, quand il y a ce genre de gêne en fait sur les tracés, IA en fait devrait mettre des passes interférences. Chose qu'il n'y a pas malheureusement. Big Rulio, good job. Allez, pas de block shading, pas de block shading, pas de block shading. Yes! Bonne défense. Bonne défense, très très bonne défense WC. Et chose qui n'a pas été faite. Ok, bien joué mon Freeman. Ouais, j'aurais pu me faire intercepter franchement là-dessus. Ok, on va sortir en touche pour un gain de 5 yards environ. Très bonne course. Allez, Toilolo. Touchdown de Toilolo. si vous m'auriez dit que j'allais marquer avec Toilolo cette année, je vous aurais dit non mais c'est pas possible, je vais pas le faire jouer de façon. Eh bah si, il marque putain. En fait je le visais pas du tout sur cette action. Et donc j'étais un peu dans la merde, je cherchais quelqu'un. Et là je vois Toilolo qui est tout à gauche tout seul. Et là je dis pourvu qu'il drop pas. Et ça score, putain ça score. Oh putain il court. Oh, il y a eu un de ces pancakes. Oh, boum, chakalaka. Wow, William Moore always ready. Bon, j'aurais préféré que tu me fasses un fumble. Wow. Oh non. Oh non, la bonne lecture de WC là-dessus. Le bon retour intérieur. Oh, mais il m'énerve, hein. Il m'énerve, Hyde. Oui. Putain, il me faut un corner pour avoir un sac. Il me faut un corner blitz pour avoir un sac. C'est quand même chaud. Oh non. Non, il joue bien. Check la screen. Il n'y a pas de screen. Ah, bien joué. Oh non! Oh non, Torrey Smith qui me la catch sur la gueule sur Alford. Tellement de dégoûtades dans cette play. Le blitz qui a pas été assez rapide malheureusement. Pouvons-nous faire là-dessus? Alors, ce qui est terrible sur ce genre d'action avec donc les Niners, donc vous avez des D-line en fait qui sont très écartés, donc vous avez beaucoup de place pour rentrer des courses au middle. Mais en fait, les D-line sont tellement bons que en fait bah vous passerez pas. Et du coup ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire extérieur, il y a les linebackers qui sont extérieurs, donc très très dur à passer. Donc en gros vous pouvez pas jouer de course. Voilà hein. Ah, voilà pour l'explication hein. Non, faut expliquer quand même. Je sais pas quoi jouer, on va jouer sur Rulio. Parce que bon voilà Rulio, vous savez que même si vous faites un petit lancer en fait il peut troquer ou vous faire un petit truc. Un petit truc de ouf en fait. Je sais pas si. Allez. Oh non. Il me manque un poil de cul portugais hein, c'est dommage. Puis Vernon Davis va falloir le stopper aussi parce qu'il fait un bon match. Et ça ce n'est pas possible. Je dis ça, bah il m'en remet une, couche quoi. Il m'en remet une couche. Disrespect. Putain, en plus ils m'ont fait rentrer Stupar et tout. J'ai Brooks Reed en middle. C'est pas ouf quoi. Merci Brooks Reed. Qui est très bon plaquage pour une perte de gain en plus je crois. Non, si une perte de gain je crois. Ah non, je peux pas tout couvrir. Allez, pourquoi pas le petit pic. Pourquoi pas le petit user pick qui fait la diff. Oh non, on me dit pas que ça va bugger. Non, c'est bon. Alors là, vous voyez, c'est le genre d'action. Normalement, j'ai une zone en flat. Mais je sais pas pourquoi le mec, en fait, va met 3 ans pour aller dans sa flat. Il avait pas envie de la prendre. Voilà, il s'est dit, oh fuck, ça fait chier. Donc il l'a pas pris. C'est pas juste. Oh non. Oh non. Le block shed. Le block shed, voilà. Sur les courses externes, sur ce genre de formation, si j'ai pas de block shed, bah, je suis foutu. Surtout avec une O-line des 49ers, en fait, qui est assez douée quand même en run block. Du coup ça pèse pas mal et voilà, généralement vous faites trouer le cul comme ça. Ah ouais. Ah ouais non mais là c'est tendu. Ah Hank. Putain. Oh ça me gonfle. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un lancer pareil, Ryan? Franchement, sur une drague, sérieusement, sachant que t'as plus de 90 en short actuary. Comment je mérite en 3ème comme ça, à ce moment du match, voilà, sachant que je peux pas jouer la 4ème, comment je mérite ça? Explique-moi, s'il te plaît. Oh! Oh non! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui d'accord, carrément. Ah mais carrément, carrément. Oh là là, non. Oh, oh là là, oh je suis en plein dedans. Il la lance bien sa interception. Ok, c'est le stop. Il nous restera 50 secondes pour essayer de faire quelque chose. On va faire avec. Oui! 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 Allez! Oh non, non, Rulio, t'as pas le droit de me faire ça. Donc, ah non, ok, bon, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Allez. Merci Ryan. Ok, à plus en LAN. Je suis deg. Ryan me ruine le game. Voilà, une drague mal lancée. Là, on a la fade, en fait, j'appuie un coup, je sais même pas pourquoi il me la lance tendue, et puis si loin. À la rigueur, tu me la lances tendue. Ça a des chances d'arriver dans la main des receveurs. Mais non. Mais non, là il me la lance tendue et à 3000 km. Donc voilà, première défaite de ma part contre WC. Donc voilà, je suis une grosse merde en ce moment à Madden. Vous le savez, 2 défaites d'affilée. Bon, va falloir changer ça parce que ça se trouve en plus je risque de perdre la division. Puis vu que les Bucks sont bons, les Panthers sont bons aussi. Ils sont premiers d'ailleurs avec 0 défaite. Donc je ne sais pas, c'est une mauvaise passe pour moi. Je pense que la fin de saison va être très importante au niveau du recrutement pour ma part, surtout en défense. parce que là on se fait trop pilonner. Donc nouvelle défaite, deuxième défaite d'affilée, bien joué WC. Voilà, Ryan, bon, un bon QB rating, 0 interception, 2 TD, pff, et voilà, mes running back, Freeman, 13 rush, 42 yards, 1 TD, c'est vraiment pas ouf. Tevin Coleman, 2 rush, 4 yards, niveau de la réception, 85 yards pour Rulio, 149 yards pour Roddy White. On a un TD de Roddy et un TD de Toilolo. Putain. Non mais en fait là si je perds c'est pour faire comme la saison en vrai. Non, je pense qu'il faut que je m'entraîne là parce que c'est vraiment pas bon là comment je joue. Bon voilà, en tout cas je suis content pour WC qui m'avait jamais battu. En plus qui disait que je crois qu'il m'avait dit une fois qu'il arriverait jamais à me battre. Et puis voilà, bah, la victoire 28-24. Il a mieux joué que moi, il a mieux géré la montre et en fait il a su passer à chaque fois contre ma défense, convertir ses troisièmes tentatives et c'est là-dessus qu'il gagne le match je pense. Ah, dites ce que vous avez pensé de cette défaite, et puis à la rigueur lancez-moi vos incantations, voilà, vos doux, vos trucs, je sais pas, des formules pour que je sois plus maudit, parce que là en ce moment je suis dans une passe niveau Madden, c'est affreux en fait, dans chaque match FFL là je joue comme une grosse merde, donc voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, bye. William Moore always ready. William Moore always ready. William Moore always ready. William Moore always ready. Mo City, man.